Bonjour l'église, j'espère que vous allez bien. Hello church, I hope you're doing well. Vous avez passé une bonne semaine. Did you have a good week? Merci, une bonne semaine, bien yes, chargée. Yes, I did too. Very full week for me. Bien chargée. J'avoue, j'ai la gorge un petit peu serrée. I'm quite emotional today. Je suis tellement content pour Nicolas et Jessica. I'm just so happy for Nicholas and Jessica. C'est vraiment un couple formidable. They're just a wonderful couple. Je suis trop content pour vous, vraiment. I'm so happy for you guys. Et c'est une bonne transition pour le thème d'aujourd'hui. It's a perfect transition for today's theme. Parce que d'une certaine manière, on va parler d'alliance aussi aujourd'hui. Because we're also going to talk about covenant today. Les baptisés, ça va? How are you guys doing? C'est pas trop long, good? Vous êtes prêts? It's not too long. Donc je leur ai dit tout à l'heure que ils vont faire partie intégrante du message. So I told them earlier today that they will be part of. They will be part of the message today. Et que leur témoignage, je suis convaincu qu'ils vont avoir un véritable impact pour nos invités ici. I know their testimonies will have a real impact with our guests today. Donc je me répète, on fait équipe aujourd'hui. So we're a team today. Et sans pression, mais vous êtes aussi les prédicateurs. No pressure, but you're preaching with me today. OK, on va prier. Let's pray. Alléluia, Seigneur, je veux te remercier, Papa, pour ce temps que tu nous permets d'avoir tous ensemble. Thank you, Lord, for this time that you allow us to have together. Merci Seigneur parce que c'est vraiment un jour de joie. Thank you because it's a day of joy. Merci Seigneur parce que rien ni personne ne pourra empêcher ce que tu as prévu aujourd'hui. Thank you because nothing and no one can hinder what you have planned to do today. Seigneur, tu ouvres nos oreilles. Lord, you open our ears. Tu ouvres nos yeux. You open our eyes. Tu prépares nos cœurs. You prepare our hearts. À entendre et à recevoir ta parole. To hear and receive your word. Et Seigneur, je déclare qu'aucune personne and I declare that no one ne repartira comme elle est venue will leave the way they came dans le nom puissant de Jésus. In the powerful name of Jesus. Amen. Amen. Bien. Good. Bien, bien. Good, good. OK, je voulais voir si ça marchait la traduction. OK, donc aujourd'hui, on va aborder le sujet du baptême d'eau. So today we're going to talk about water baptism. Déjà, pour commencer, on va aller à l'origine du baptême. To start with, we're going to look at the origin of baptism. Donc, le mot baptisé est le mot baptizo en grec. The word, original word in Greek is baptizo. Qui veut dire purifier en plongeant. Which means to purify by diving. Ou submerger. Or submerging. Laver. To wash. Rendre pur avec de l'eau. To make pure with water. Se laver. To wash. Se baigner. To bathe. Donc, on voit le rapport avec le baptême et cette notion d'être plongé, immergé. So we see that correlation with baptism where a person is immersed in water. Mais si on va un petit peu plus loin, le mot baptizo vient d'un autre mot qui est le mot bapto. But if we go a little bit deeper, we see that the origin of that word in Greek is another word in Greek called bapto. Qui lui veut dire plonger dans la mort. Which actually means to dive or plunge into death. Donc je trouve ça fascinant. Which I find fascinating. Parce que c'est vraiment ce qu'on va faire tout à l'heure. Because that's really what we're going to do later. Et ce que je trouve intéressant, c'est que on peut déjà voir des formes de baptême déjà dans l'Ancien Testament. And what I find fascinating is that there are already things in the Old Testament in regards to baptism. Par exemple, l'arche de Noé. For example, Noah's Ark. Quand il y a eu l'immersion. When the earth was immersed le Seigneur in water, il a rempli toute la terre. God filled the whole earth with water. Bah, tout ce qui était mauvais a été noyé. Everything bad was sunk. A été plongé dans la mort. Was immersed in death. Mais j'imagine bien aussi que pendant la verse. But I can also imagine that during the rainfall. Il y avait Noé et sa famille. There was Noah and his family. Qui était en train de recevoir des gouttes. That was getting rain drops. C'est mon interprétation, hein, mais quelque part, la préparation de l'alliance que le Seigneur allait faire avec Noé. My interpretation is that it maybe was preparing Noah for the covenant that God was going to establish with him. On a aussi un autre exemple avec le peuple juif. We also have another example with the Hebrew people. Lorsque le peuple juif allait traverser la mer Rouge. When they crossed the Red River, the Red Sea. Je pense que vous avez tous déjà vu le film Le Prince d'Égypte. I think you've all seen Prince of Egypt, the movie. Quand he doesn't let even one drop touch us. Mais en préparant ce message, j'ai imaginé une autre version de cette ouverture. But in preparing this message, I kind of imagined another version. J'ai imaginé que l'eau sorte et se lève comme des geysers. I saw like water shooting up to the sky.
Et que pendant que les Juifs étaient en train de traverser la mer Rouge, and while the Hebrew people were walking through the Red Sea, il y avait une petite brume, une petite pluie légère. There was like a soft rain, rafraîchissante, refreshing apaisante, rain, soothing rain. Où ils traversent la mer Rouge sans vraiment en paix. They crossed the Red Sea in peace. Et au moment où le dernier Juif il foule la terre ferme. And at the moment where the last Hebrew person lifts his foot off of the toute l'eau ground of the revient sea, et all of the water comes rushing in again. Et anéanti. And destroys the enemies. Et dans Exode 14, 13, in Exodus chapter 14, verse 13, Exode 14, 13, il est dit, please read along in your English Bibles. Donc Moïse répond au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous avez vus aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Donc on voit vraiment cette libération que le Seigneur il a opérée avec le peuple juif. Baptisé en Christ. To be baptized with Christ, in Christ. Donc c'est le moment où on devient croyant. That's when we become a believer. Il y a baptisé d'eau. Secondly, there is baptized with water. C'est quand le croyant devient témoin. And baptized in the Holy Spirit, where the disciple becomes a witness. Donc ces trois baptêmes, ils ont pour objectif de transformer, de changer notre nature. These three baptisms are intended to baptiser. First of all, we're going to talk. Baptiser. Then we're going to talk to those who have already been baptized with water. Et cerise sur le gâteau, ça sera pour vous. And the last part will be for you. Donc déjà, tu n'es pas baptisé, tu as envie de te baptiser. If you have not been baptized in water yet and you want to. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut déjà donner ta vie à Jésus. First thing you need to know is that you first need to give your life. Vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc des personnes se disent sûrement moi je vais pas me baptiser parce que je suis pas encore parfait. Some people might think well I won't get baptized because I'm not really perfect yet. Donc, je vais boire un petit peu et j'ai une annonce à te faire. I'm going to drink a little water then I have an announcement to make. Tu ne seras jamais parfait. You're never going to be perfect. Impossible. Impossible. Seul Jésus est parfait. Only Jesus is perfect. Donc tu vas attendre très 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 longtemps. So you're going to wait a really 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 long time. Et je vois un petit peu un parallèle avec le mariage. I kind of see a parallel with marriage. J'ai pas attendu d'être parfait pour me marier avec Rihanna. I didn't wait until I was perfect to marry Rihanna. J'avais déjà des sentiments qui se sont développés. I already had feelings for her. Elle est tombée amoureuse de moi. She fell for me first. Après moi. Mais on n'a pas attendu que ce soit le jour du mariage où on est sur le point de s'épouser pour dire « Ok, on s'aime en fait. » We didn't wait until the wedding day to realize that we loved each other. Cette décision-là, tu ne peux pas la prendre, tu ne peux pas attendre le jour J pour que tu aies ces sentiments-là. It's not the wedding day that you have feelings for someone. Et je ne vais pas dire que c'est un mariage, le baptême, mais il y a une alliance qui se crée. And the baptism is really a covenant. Et de la même manière que tu n'attends pas le jour J pour aimer la personne. And just like you don't wait for your wedding day to actually love the person you're going to marry. N'attends pas d'être parfait pour créer cette alliance avec le Seigneur Jésus. Don't wait until you get perfect to build this covenant with Christ. Dans Marc 16:15. In Mark chapter 16 verse 15. Marc 16:15, il est écrit allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. That was Mark 16, verse 15. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas écrit « Celui qui ne croira pas et qui ne sera pas baptisé sera condamné. » What's interesting is that it doesn't say « Whoever does not believe and is not baptized will not be saved. » Ce qui veut dire que si tu veux être sauvé, so that means if you want to be saved, si tu veux avoir ton passeport pour aller au paradis, if you want your passport to go to heaven, le baptême, ce n'est pas obligatoire. The baptism is not mandatory. Donc tu peux te dire pourquoi me baptiser? So maybe you're thinking well okay why bother? Si c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire. If it's not mandatory. Et je pense que tout est une question de priorité en fait. And everything's a question of priority. Jusque où tu es prêt à aller pour le Seigneur?
How far are you willing to go for the Lord? La vraie question, c'est est-ce que tu attends d'être parfait? The real question is, are you really waiting to be perfect? Ou est-ce que tu n'es pas prêt à quitter les choses de ce monde? Or are you really not willing to leave certain things of the world? Est-ce que tu n'es pas prêt à abandonner tous ces plaisirs charnels, on va dire? Are you not ready yet to leave these carnal pleasures? Tout est une question de priorité. Everything is a question of priority. Si tu fais de Jésus ton sauveur personnel, if you make of Jesus your personal savior, et qu'il est ta priorité, and he is your priority, alors tu n'as pas à craindre cet engagement. Then you don't have to fear that commitment. Je vais répéter. I'll repeat myself. Si tu fais de Jésus ta priorité, if you make Jesus your priority, tu n'as pas à craindre cet engagement. Do not fear commitment. Ça me fait penser aux gens qui sont dans le monde qui ne se marient pas parce que bah, peut-être qu'un jour ça va s'arrêter. It makes me think of people in the world who don't get married because they're afraid that well maybe someday it's all is going to end. Ah, donc tu commences une relation et tu sais déjà que ça va potentiellement s'arrêter. So you're going to start a relationship and you thinking that it will end one day? C'est pas ça une alliance. That's not a covenant. Quand on s'est marié, c'était jusqu'à ce que la mort nous sépare. When we got married, we said until death do us part. Et la dernière fois, je vous ai dit que des fois je marchais comme un coq. And last time I was telling you that I was walking my head high. Mais des fois, c'est plus je fais l'autruche. But sometimes I'm really like neck deep. Donc il y a des hauts, des bas dans les relations. There are highs and lows. Mais ça ne justifie pas de briser une relation. But that does not justify breaking a relationship. Et avec le Seigneur, c'est pareil. And with the Lord, it's the same thing. Il y aura des moments où vous serez très haut. Some moments you'll be really high. Il y a des moments, ça sera plus compliqué. And other moments will be more complicated. Mais le Seigneur ne nous abandonnera jamais. But the Lord will never abandon us. L'identification avec Christ. Identification with Christ. Romains 6, 4, nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, je vais zoomer. La vieillesse, ça commence. Une même plante avec lui par la conformité de sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous soyons plus esclaves du péché. So that was Romans 6, verses 4 to 6. Donc l'identification en Christ, c'est le premier effet que le baptême aura sur votre vie. Identification with Christ is the first effect of baptism. It's what it represents. Donc à travers ce verset-là, on voit que lorsqu'on va être plongé dans l'eau, so in this verse we see that when we dive into the water, il y a cette identification au Christ qui a été crucifié, qui we est identify mort. With Christ crucified. Et lorsqu'on va qu'on vous ressortira de l'eau, and when you rise up again from the water, ça sera la symbolique de la résurrection. That symbolizes Christ's resurrection. Vous serez des nouvelles créatures. You will be a new creation. Et vous savez, après le baptême, il y a beaucoup de personnes qui disent c'est bizarre, moi je pêche plus depuis que je suis baptisé. And you know, a lot of people after their baptism think it's weird, like they feel like they're sinning more. C'est pas normal, ça devrait être l'inverse, je devrais être plus sanctifié, plus. It should be the opposite. I should be more sanctified. Mais en fait, ce n'est pas que tu pêches plus après le baptême. But I don't think it's really that you're sinning more. C'est que comme tu as pris cette identité avec Christ, but it's because you have identified with Christ, tu as une sensibilité qui s'est décuplée. Your discernment has increased. Ton discernement il s'est développé. You have a higher sensitivity. Et tu vois plus les choses qui ne glorifient pas Dieu. And you see more of the things that don't glorify God. Et du coup, à chaque fois, ça met le doigt sur des traits de caractère que tu dois changer. So it's really pointing out the things in your character that you need to change. Qui pour toi était quelque chose de normal avant. That for you were normal things in the past. Mais maintenant que tu es baptisé, tu as cette révélation que ah, ça c'est pas bon. But now that you're baptized, you have that revelation that that's wrong. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas plus pécher. So don't worry, you're not going to sin more. Il y aura sûrement un grand nettoyage de printemps après. There will be a big spring cleaning to do. Donc, profitez du jeûne de printemps d'ailleurs. So enjoy this spring fast to do that.
Mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas plus pécheur. Au You're contraire, not gonna sin more. Vous avez toute autorité sur le péché. On the contrary, you will have all authority over sin. 2 Corinthiens 5, 17. Il y a Second beaucoup de versets Corinthians aujourd'hui. 5, 17. Lots of verses today. 2 Corinthiens 5, 17. Second Corinthians 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Deuxième effet que le baptême aura sur vous. Second thing that this baptism represents. C'est la circoncision du cœur. Is the circumcision of the heart. Dans Colossiens 2:11. In Colossians chapter 2 verses 11. Colossiens 2:11 et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi, en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Alors pourquoi on dit que cette circoncision n'a pas été faite par la main? Parce que la circoncision, initialement, c'était un acte physique qui avait sur les hommes. So, originally, circumcision was a physical act done on men. Donc, je ne vous fais pas de dessin, je pense que vous avez tous paint you a eu des cours d'histoire. I think you all know the story. Mais au moment où vous allez être enseveli dans cette eau, but at the moment that you will be immersed in the water, le Seigneur il va opérer une séparation, the Lord will operate a separation entre votre ancienne nature, between your old nature et votre nouvelle nature. And your new nature. Donc, c'est beaucoup de choses qu'on a vues hier à la formation. So we saw that yesterday during your training. Mais on a des invités ici, donc. But we also have guests here, so for their sake. On arrive bientôt à la partie croustillante pour vous. We're gonna come to the interesting part. Don't worry. L'engagement d'une bonne conscience, c'est la dernière étape que le baptême apportera. The last step that this baptism will operate is the pledge of a good conscience. L'engagement d'une bonne conscience, ça veut dire que vous vous engagez. This means that you commit yourself. Vous avez connaissance de cause. In full knowledge. De tout faire dans vos actions. To do everything in your actions. Dans vos paroles. In your words. Dans vos pensées. In your thoughts. Dans ce que vous allez dire. In what you're going to say. Pour que tout ça soit en adéquation avec sa parole. So that everything is in line with his word. Et dans 1 Pierre 3:21, vous pouvez avoir un peu plus de détails sur ce que je viens de vous dire. And in 1 Peter chapter 3 verse 21, you can read more about what I just said. Alors je vais essayer d'accélérer un petit peu. I'm going to try to accelerate here a little. Donc j'espère que avec cette partie-là, vous avez été convaincus de l'importance de se baptiser. I hope that with what I just said, you will be convinced of the importance of getting water baptized. Le fait de donner sa vie à Jésus, c'est une excellente chose. The fact of giving your life to Christ is a wonderful thing. Mais la concrétisation, la clôture de cet acte, c'est vraiment le baptême d'eau. But the closure to really make it real is water baptism. Parce qu'une fois que vous êtes baptisé d'eau, because once you're baptized, vous avez comment dire on va dire que le baptême d'eau, c'est un facilitateur. The water baptism is kind of like a facilitator. Pour tout ce qui touche au don de l'esprit. For everything related to the spiritual gifts. Maintenant, je vais m'adresser à ceux qui sont déjà baptisés. Now I'm going to speak to those of you who are already baptized. Mais qui ont mis un peu leur baptême de côté. But who have kind of left that baptism aside. Alors, c'est pas pour les personnes qui ont été baptisées à la naissance. It's not for those of you who were baptized at birth. Parce qu'à cette époque-là, vous n'aviez pas conscience de ce que vous étiez en train de faire. At that time, you were not conscientious of what you were doing. C'est vraiment pour les personnes qui sont baptisées. It's for those of you who are water baptized. En bonne conscience. In a good conscience, in full knowledge. Vous étiez à un âge suffisamment mûr pour savoir ce que vous étiez en train de faire. You were in an age that you were mature enough to understand what you were doing. Quand je préparais le message, c'était vraiment la partie
qui m'a interpellé. When I was preparing this message, it was really that part that was speaking to me. Je sentais que ce matin, il y aurait des personnes dans la salle qui ont déjà été baptisées. I felt like there were people in this room that were already baptized. Mais quelque part, vous avez perdu cet engagement que vous aviez pris avec le Seigneur. But you lost the commitment you had with the Lord. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour vous de vraiment vous repentir. Today is the day that you can repent. De vous rappeler ce que le Seigneur a fait pour vous. Remember what the Lord has done for you. De vous rappeler d'où il vous a tiré. Remember from where he pulled you out of. D'où vous revenez. Where you were before. Et quelque part refaire vos vœux avec le Seigneur. And recommit yourself and renew your vows to the Lord. Vous savez, j'ai pris mon premier baptême, on va dire. I actually was first water baptized. Quand j'avais 10 ans. When I was 10 years old. Et durant 13 ans de ma vie, and during 13 years of my life, au début, c'était plutôt facile de rester engagé avec le Seigneur. At first, it was pretty easy to stay committed to the Lord. Et après, l'adolescence est arrivée. And then when I became a teenager, les tentations sont venues. Temptations came. On découvre de nouvelles choses. We discover new things. Et c'était de plus en plus difficile de rester attaché à l'engagement que j'avais pris avec le Seigneur. And it was harder and harder to stay committed to what I gave the Lord. Mais vers l'âge de 15-16 ans, but when I was about 15-16 years old, quand Pasteur Sam m'a tiré les oreilles, when Pastor Samuel pulled me by the ear, c'est vraiment le moment où j'ai décidé de filer droit. That's really when I tried to walk straight. Et c'est à mes 23 ans que ma mère m'a offert un voyage en Israël. And when I was 23 years old, my mom bought me a trip to Israel. Où j'ai vraiment pris cette décision de servir le Seigneur. Where I really made this decision to serve the Lord. Jusqu'à la fin de ma vie. Until the end of my days. Mais pas le servir, pas la belle phrase, vraiment le servir. Not really in words, but in action. Vraiment de payer un prix pour le servir. To pay a price to serve him. Et j'ai eu cette chance de refaire mes vœux avec le Seigneur. And I had that opportunity to renew my vows to the Lord. Dans le Jourdain. In the Jordan River. Et je me rappelle que l'ennemi n'était pas d'accord. And I remember that the enemy was not in agreement with that. Beaucoup de choses avaient été faites pour me déstabiliser. A lot of things had happened right before that. Et que je ne me réengage pas. To destabilize me so that I would not recommit to the Lord. La veille de mon baptême dans le Jourdain. The day before my baptism in the Jordan River. Alors que j'étais à des centaines de kilomètres de la France. When I was thousands of kilometers away from France. J'apprenais que ma petite cousine était partie rejoindre le Seigneur. I learned that my very young cousin left to be with the Lord. Donc vraiment tout avait été fait pour me déstabiliser. Everything was done to really shake me up. Tout a été fait pour que ce baptême ne soit pas pris. Everything was happening to prevent me from doing this baptism. Mais je l'ai fait. But I did it. Et c'est la meilleure décision que j'ai prise. And it was the best decision I ever made. Donc vraiment, si toi qui as déjà pris ton baptême, so if you have already had your water baptism, tu luttes avec l'alcool, but you're struggling with la alcohol, drogue, drugs, le sexe, sex, avec ce que tu regardes, with what you're watching, avec ton attitude, with your attitude, n'oublie pas que Dieu est un Dieu miséricordieux. Don't forget, God is a God of mercy. Et qui peut tout restaurer. He can restore everything. Absolument tout restaurer. Absolutely everything. Vous êtes prêts? Are you ready? Ok, pour nos baptisés aujourd'hui. For our baptisees, that's not a word. For those who are getting baptized. Sept paroles pour vous. Seven things for you. Seven Donc ça, c'est nouveau, vous ne l'avez pas entendu. Seven hier. Points, that's new, you didn't hear that yesterday. Donc Matthieu 22, 35, 40. Matthew chapter 22, verses 35 to 40. Matthew 22. Docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répond, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Amen. Donc le premier point, c'est n'oubliez pas votre premier amour. The first point today is never forget your first love. Faites tout ce qui est dans votre pouvoir.
Do everything within your power. Pour donner le meilleur de vous-même au Seigneur. To give yourselves fully to the Lord. Vous savez, hier, je parlais avec Elina. Yesterday, I was speaking with Elina, my daughter. Et Elina, elle me disait, est-ce que c'est moi ton amoureuse? And she asked me, Daddy, am I the your lover? No. Sorry? Love of your life, yeah. Et je lui ai dit oui, d'une certaine manière, mais t'es pas la première. And I responded, yes, in a way, but you're not the first. Je lui ai dit, toi et Joshua, vous êtes les troisièmes. You and Joshua are the third ones. Et elle me dit, c'est qui le deuxième? And she asked, who's the second one? Bah, je lui ai dit, bah, c'est maman. And I said, mommy is. Et du coup, je vois qu'elle réfléchit. Et so elle commence à compter, donc elle a vu qu'elle... She starts to think, to count. Il y a qui avant maman? So who's before mommy? Il est chelou, papa. Daddy's kind of weird here. What's he talking about? Et je lui dis, mon premier amour, c'est Jésus. And I said, my first love is Jesus. Mon deuxième amour, c'est maman. My second love is mommy. Et toi et ton frère, vous êtes le troisième. And you and your brother are my third love. Donc tout ça pour dire que n'oubliez jamais votre premier amour. Don't ever forget your first love. Il passe avant tout. He comes first. Before anything. Et aimez-le de tout votre cœur, peu importe les circonstances. Love him with all of your heart, no matter what the circumstances are. Habakkuk 2, verset 2. Habakkuk chapter 2, verses 2 to 3. Oui, c'est ça. L'Éternel m'adresse la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Donc vous l'avez compris, le deuxième point, c'est écris ton rêve. The second point is write down your dream. Écris ton rêve, ça veut dire quoi? Écris la personne que tu veux devenir. Write down the person you want to become. Écris ce que tu veux accomplir pour glorifier Dieu. Write down what you want to accomplish to glorify the Lord. Écris l'impact que tu veux avoir pour ta famille. Write down the impact that you want to have for your family. Pour ton église. For your church. Pour tes amis. For your friends. Pour ton job. For your job. Écris tout ça. Write it all down. Et crois que ça va s'accomplir. And believe that it's going to happen. Troisième point. Third point. Lève-toi chaque matin en te rappelant pourquoi tu te lèves. Get up every morning remembering why you're getting up. Que chaque jour est un cadeau du ciel. That every day is a gift from heaven. Pour te transformer. To transform you. T'équiper. To equip you. Et te rapprocher de plus en plus de Dieu. And to bring you closer and closer to God. Te rapprocher de plus en plus de du rêve que tu as écrit. To get closer and closer to that dream that you wrote down. Pour que tu sois la personne que Dieu veut que tu sois. So that you may be the person God wants you to be. Quatrième point. Fourth point. Cherchez toujours à devenir de plus en plus grand chaque jour. Always seek to become greater and greater every day. À toujours être meilleur que la veille. To always be better than the day before. Comment on fait ça? How do we do that? En servant les autres. By serving others. Avec les dons et les talents que le Seigneur vous a donnés. With the gifts and talents that God has given you. Cinquième point. Fifth point. Aime les gens et cherche toujours à voir le meilleur en eux. Love people and always seek to see the best in them. Vous savez, le plus grand enseignement que Pasteur Robert m'a appris, the greatest teaching that Pastor Robert has taught me, c'est vraiment quelque chose que j'admire chez lui, is really something I admire in him. C'est qu'il peut laisser une toute petite étincelle chez quelqu'un. If he sees a tiny little spark in someone. Mais cette toute petite étincelle est suffisante pour amener l'espoir. He sees that that tiny spark is enough to light a fire of hope. Cette toute petite étincelle est suffisante pour investir chez ton prochain. That tiny little spark is enough to invest yourself in your neighbor. Donc entoure-toi des personnes qui vont t'aimer. So surround yourself with people who will love you. Qui vont toujours t'encourager. Who will always support you and encourage you. Mais qui t'aimeront assez pour accepter les choix que tu feras. But also that will love you enough to accept the choices you will make. Et qui auront cette capacité de te dire quand ce que tu fais n'est pas bon. And will also have the ability to tell you whenever you're doing wrong. Des personnes qui cherchent toujours ton édification. People who always seek to edify you. Que ce soit facile ou difficile. Whether that be hard or easy. Sixième point. Sixth point.
soit enseignable. Be teachable. Et toujours faim et soif d'apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. Be always hungry and thirsty to learn new things every day. Septième point. Seventh point. Éloigne-toi de la médisance qui est un poison pernicieux et un voleur de rêves. Get away from slander, which is a pernicious poison and a thief of dreams. Si votre passe-temps favori, if your favorite leisure, c'est de critiquer, is to criticize, ou dire du mal des autres, or speak negatively of people. Ne soyez pas surpris que Dieu ne puisse pas agir comme il voudrait dans votre vie. Don't be surprised if God can't act the way he wants to in your life. Mais bien au contraire, soyez toujours hyper exigeant avec vous. But always be demanding on yourself. Mais bienveillant et compatissant avec votre prochain. But benevolent and compassionate with others. Sois fier de qui tu es. Be proud of who you are. De ton identité. Of your identity. De tes valeurs. And your value. Et j'aime bien cette phrase. And parce qu'elle est affichée. I really like this sentence that was. Elle est affichée dans notre salle de bain quand j'étais petit. That was stuck to my bathroom door when I was younger. Que tu mènes. That may the life that you lead. J'ai un petit peu modifié, papa. I modified ta vie de disciple. Your life of a disciple. Honore toujours le sacrifice d'amour always, de Jésus sur la croix. Always honor the sacrifice of love of Jesus on the cross. Quand tu es sur le point de prendre une décision. When you're about to make a decision. Pose-toi la question, est-ce que ce choix va honorer mon Père céleste? Ask yourself the question, will that decision honor my heavenly est-ce que Father? Ce choix va honorer le sacrifice de Jésus sur la croix? Will that decision honor the sacrifice of Jesus on the cross? Pour terminer, to finish, le baptême c'est un engagement public. Baptism is a public commitment. Devant les puissances célestes, before the heavenly powers, devant l'église, before the church, devant vos familles, before your families, your friends. Et vous savez, c'est l'engagement le plus important. And it's the most important commitment. Parce que dans Matthieu 10, 32, because in Matthew chapter 10, verse 32, Jésus dit, si quelqu'un déclare publiquement m'appartenir, je déclarerai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux qu'il m'appartient.